Bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue dans le club des 5. Il est tard, il est très tard, on est enfin en ligne, on a eu quelques petits problèmes techniques, mais on est là pour parler de football européen, beaucoup de coupes nationales aujourd'hui. Vous allez voir, on va faire un petit débrief sympathique avec toute la bande. Je vais vous faire le sommaire juste après. Avant, je présente ma petite équipe du soir. On est ta petite équipe. Salut Walid. Ça va Romain? Ça a été les vacances un petit peu? Ça fait longtemps. J'aurais bien aimé les vacances. Ne mens pas aux socios, t'as été en vacances. J'ai travaillé. Est-ce que je suis bronzé? Je reviens de Strasbourg. Ah, c'est la lumière, t'es bronzé. T'as raison. Je reviens de Strasbourg, j'avais passé une petite semaine là-bas, mais c'était pas des vacances. Tu nous as manqué un petit peu. Je vous ai manqué un peu, mais. Et non, est-ce que les socios t'ont manqué un peu? Les socios m'ont énormément manqué. J'ai dû travailler, je n'ai pas fait de foot, etc. J'ai pas suivi le foot pour ce travail-là. Et franchement, ça m'a manqué. C'est ce que je disais à la fin de la semaine. Ça va, Walid? Ouais, ça va. Ouais, sympa. Il est pas très tard, là, minuit et demi. Non. Je viens de me réveiller, moi. Tu viens de te réveiller? J'ai l'Open d'Australie qui m'attend là dans 3-4 heures, je viens de me réveiller. Dominique Baïf, ça va Dominique? Ça va très bien, bonsoir. Bonsoir messieurs. C'est ma première avec toi. Exactement, ouais. Ouais, ça va être sympa. Fallait qu'elle arrive, bah, j'espère bien. Bah il ouais, y a pas de raison. Ça devrait bien se passer. Exactement. Hein, tu vois, je suis un peu plus sympathique que Samuel. Ah, je lui dirais. Flavien Bory, salut Flavien. Salut Romain. Tu vas bien? Ouais, tranquille. Impeccable. Ça va. Bon, le programme de ce mardi soir, on va parler énormément de Coupe Nationale, on va parler de Séville-Atlético Madrid, ça s'est terminé il y a une petite heure maintenant. On va parler aussi de la Coupe de France parce qu'il y a eu quelques surprises, on aura un petit mot. Et puis on aura une grosse page Mercato avec notamment l'officialisation, enfin, Lassana Diarra qui est un joueur du Paris Saint-Germain. Vous êtes sur YouTube avec nous directement. On a déjà des commentaires sur YouTube. Vous pouvez déjà commenter sur Lassana Diarra. On aura une grosse page Mercato. On parlera aussi de Robinho. On parlera aussi de Mascherano. Donc, vous pouvez commencer à commenter sur YouTube sur vos avis Lassana Diarra au Paris Saint-Germain. On va commencer quand même par les matchs du soir. On commence par la Copa del Rey avec Séville Atlético. La victoire 3-1 du FC Séville, des buts de Escudero, de Banega et de Sarabia pour le FC Séville. Banega, c'était sur pénalty, et un but magnifique d'Antoine Griezmann pour l'Atlético. Walid, Séville qui se qualifie, ça y est, ça marque un véritable renouveau du FC Séville depuis que Montella est arrivé. Ouais, sur le match et même sur la double confrontation à l'aller au retour, c'est amplement mérité. On a vu, pour parler du match de ce soir, 20 bonnes minutes de l'Atlético Madrid où on a senti des ambitions offensives en essayant d'aller chercher un résultat. Et derrière, Séville, sur des belles actions, on a vu de belles combinaisons, notamment sur les côtés entre Sarabia et Jesús Navas. On rentrera plus en détail sur les compositions, mais c'est amplement mérité, notamment sur la deuxième mi-temps où ils ont marché sur les Colchoneros. Séville qui l'avait déjà emporté au Wanda Metropolitano au match aller de 2-1, qui l'a encore emporté 3-1, donc ça fait 5-2 sur la double confrontation. Toi aussi, tu trouves ça amplement mérité, Séville, par rapport à ce qu'ils ont montré face à l'Atlético? Oui, on l'a vu sur le match au soir, il n'y a pas eu de débat entre les deux équipes, même si l'Atlético a su égaliser assez rapidement après l'ouverture de Séville. Mais on a vu derrière une maîtrise collective un peu plus forte du côté du FC Séville. On voit que Montella commence peut-être à trouver aussi son équipe, ses 11 joueurs, ses cadres, pour essayer de se relever sur cette deuxième partie de saison. Mais on l'a vu sur cette rencontre, en tout cas, il n'y a pas photo, quoi. Ils ont vraiment dominé du début à la fin, à part un éclair de génie Griezmann. C'est tout ce qui pouvait arriver du côté de l'Atlético Madrid. Et on a vu un FC Séville enfin convaincant, même qui demande encore confirmation pour la suite. Flavien, Séville était supérieur parce qu'ils nous ont montré quelque chose dans le jeu ou parce que l'Atlético n'était pas vraiment dedans du début à la fin? Non, mais je pense qu'il ne faut pas minimiser la performance de Séville. Moi, j'ai vu une belle équipe, une équipe séduisante. Comme Walid l'a dit, un Jesús Navas. On voit la composition du FC Séville pendant que tu parles. Un Jesús Navas au poste d'arrière droit qui a fait le boulot. Maintenant, je vais l'attendre sur le long terme. Après, effectivement, on ne peut pas occulter encore la piètre performance de l'Atlético, même si pendant les 20 premières minutes, et pour vous dire à quel point je suis désespéré avec cette équipe, dans les 20 premières minutes, et je m'étonnais de voir l'Atlético construire un petit peu et voir Vesalho déborder sur le côté droit. Alors que normalement, ils avaient un score à aller chercher, j'étais surpris. Et puis après, au fur et à mesure de la rencontre, ils ont complètement coulé, une équipe totalement désunie, désarçonnée.
Ouais, parce je suis triste. Parce que c'est vrai qu'en en début de première mi-temps, juste après le but de Griezmann, qui vient sur un exploit individuel, ce qu'on se dit en regardant cette équipe-là, c'est qu'il faut des exploits extraordinaires de leurs individualités pour être très très dangereux. Alors il y a eu 2-3 percées de Versalco sur le côté qui a été plutôt intéressant, sur des centres qui ont été soit mal ajustés par Griezmann ou mal coupés par Gamero, mais après plus rien. Et puis le symbole en deuxième mi-temps, c'est cette faute bête de Saúl. Oui, c'est Rodriguez qui provoque le pénalty. De Saúl Ñíguez, alors que Jiménez est derrière et qu'il n'y a pas énormément de danger. C'est vraiment symptomatique de ce qui se passe à l'Atlético Madrid. Dans la tête et dans les pieds, ça ne fonctionne plus. Alors, il ne faut pas dédouaner aussi le coach, hein, parce qu'il y a eu des choix faits, notamment depuis 2-3 matchs. On pense qu'avec l'arrivée de Diego Costa, de Vitolo, que tous les problèmes dans le jeu vont être réglés. Moi, je pense que c'est un leurre. C'est l'arbre qui cache la forêt. C'est deux joueurs qui n'ont pas joué depuis 6 mois et les problèmes ne vont pas être réglés avec un coup de baguette magique. Quand on voit aussi la situation du club, quand Carrasco, c'est le gardien de Bordeaux qui joue à Galatasaray maintenant. S'il nous écoute, Carrasco va sûrement partir à l'AS Roma, Gaëtan va sûrement partir, Gamero a des envies, Griezmann aussi. Il y a aussi une situation et ça commence à faire beaucoup parce qu'ils ont perdu contre l'Espagnol Barcelone avant la trêve. Là, ils ont fait un partout en menant 1-0 en championnat. Là, ils perdent encore une fois, la possibilité de gagner un titre, d'aller en demi-finale de Coupe du Roi. Donc, c'est un vrai échec pour les colchoneros. Il y a Alvarez Saldes-Ibanez qui nous dit sur le chat, ça ne fonctionne plus. C'est deuxième de Liga quand même, l'Atlético. C'est vrai que c'est une seule défaite en Liga depuis le début de la saison. Alors là, c'est une mauvaise passe. Mais dans quelle Liga ? Avec cette élimination, cette double défaite, est-ce qu'on est trop sévère avec l'Atlético ou parce qu'on veut, on retient que le contenu qui n'est pas forcément enthousiasmant, mais quand même c'est efficace quand même l'Atlético depuis le début de la saison. On peut être effectivement, si on prend les choses de manière, de but en blanc, on peut être d'accord avec ça. Maintenant, moi j'aime le foot, j'ai vu ce qu'était capable de faire l'Atlético et Simeone il y a quelques années. Aujourd'hui, et je l'ai dit en début de saison, moi, l'équipe que j'ai pas envie de regarder jouer, c'est l'Atlético, mais pas parce que c'est une équipe qui prône une défense solide, mais parce que c'est une équipe qui ne produit rien. Mais c'est quand même efficace dans les résultats, c'est quand même. Oui, non, mais efficace, ça veut dire quoi, ça veut dire deuxième de Liga. Ça veut dire deuxième de Liga, mais dans quelle Liga? 11 points du Barça, quand on voit le Real Madrid, quand on voit Valence qui sont derrière et qui n'avancent plus depuis 3 ou 4 matchs, encore une fois, on parle d'une équipe qui, sur les 4-5 derniers matchs, ont fait 3 contre-performances, un nul, une défaite et une élimination en Coupe du Roi. Est-ce qu'on doit se satisfaire de ça? Non. On parle quand même d'une équipe qui a fini troisième de sa poule derrière l'AS Roma et un Chelsea qui est malade en début de saison. Encore une fois, comme le dit Flavien, soit on est dans la culture du résultat, soit on voit le contenu et ce qui ne va ou ce qui ne va pas. Et ce soir, sincèrement, c'est un vrai échec. Et il faut remettre en cause quelques données quand même. Dominique, toi, on est trop sévère avec l'Atlético? Je pense qu'on est un peu sévère avec l'Atlético. Alors, je comprends vos avis. Effectivement, on attend beaucoup mieux de cette équipe-là, d'un entraîneur aussi qui a su tirer le meilleur de cette formation, qui arrivait en finale de Ligue des Champions à 2 reprises. Maintenant, moi, je trouve que cette équipe, Simeone, c'est un pragmatique. Ça n'a jamais été du beau football. Bien sûr. Ça a toujours été efficace. Et ce qu'on lui demande aujourd'hui, c'est d'avoir des résultats, même s'il a une équipe et un jeu qui ne plaît pas en sa faveur. Et ça fonctionne. On voit, ils sont quand même deuxième. Tu le dis, Walid, c'est vrai, dans quel championnat? Mais ils ont au moins le mérite d'être présents. On voit que Real Madrid, eux, ils sont décrochés, alors qu'eux, ils sont toujours à la deuxième place. Le FC Barcelone, il n'y a pas de concurrence avec eux. Ils sont trop loin pour l'Atlético Madrid. Mais c'est pas normal d'être à 11 points d'un Barça. Oui, mais avec l'effectif que tu as aujourd'hui de l'Atlético Madrid, est-ce que tu penses vraiment qu'ils sont capables de concurrencer sur la durée le FC Barcelone? Non, mais encore une fois, ça, je suis d'accord avec toi, Dominique. Ils sont pas intrinsèquement, en termes d'effectifs, qualitativement et quantitativement, il n'y a pas de souci. Maintenant, ils nous ont montré les années auparavant que même s'ils avaient des trous d'air en championnat, qu'ils étaient décrochés, en coupe, que ce soit en Coupe du Roi ou en Ligue des Champions, ils étaient beaucoup plus présents. Là, ils ont encore l'Europa League. Bien sûr, d'accord, mais l'Europa League, c'est un lot de consolation. Si on avait dit, à Simeone en début de saison, tu finiras troisième derrière Chelsea et l'AS Roma, en faisant deux nuls contre Karabakh, je pense pas qu'ils seraient satisfaits. Alors, justement, et encore vu le niveau, excuse-moi, rapidement, vas-y. Vu le niveau de l'Europa League, c'est pas cet Atlético-là qui va prétendre gagner l'Europa League. Alors justement, on va voir l'Europa League, on va se demander si c'est pas l'objectif de l'Atlético, parce que l'Atlético, tu l'as dit, est deuxième de Liga largement derrière le Barça
et on pense ne rattrapera pas le Barça jusqu'à d'ici la fin de saison. Il y a aussi un petit matelas sur le troisième Valence et sur le Real. Surtout que même avec Valence un match en moins. Surtout qu'il y a un Valence Real et ensuite il y aura un Valence Séville, je crois, ou c'est Valence Séville juste après. Est-ce que l'Atlético doit avoir pour objectif cette Europa League, vraiment, sachant que ça fait, on va voir aussi ce graphique, ça fait très longtemps que l'Atlético n'a pas remporté un titre, ça va faire plus de 4 ans maintenant, ça fera 5 ans s'il ne remporte pas de titre cette année. La dernière fois c'était la Liga en 2014-2015, si je me souviens bien, c'était la super Coupe d'Espagne et la Liga en 2014, voilà. Est-ce que l'Atlético doit faire de cette Europa League vraiment son objectif phare, Flavien? Est-ce que ça doit être la motivation pour la fin de saison? Alors j'ai envie de dire, en théorie, oui. Maintenant, faire d'une coupe un objectif, c'est toujours très très dangereux. Mais il leur reste plus que ça, Fabien. Oui, oui, non, mais effectivement, il leur reste plus que ça. Mais bon, encore une fois, moi, comme j'ai dit, je dis pas que l'Atlético, c'est pas une équipe qui a des résultats. Mais honnêtement, je ne peux pas croire que cette équipe-là, vu ce qu'elle produit, elle peut remporter quoi que ce soit. Moi, j'ai envie de te dire, j'ai envie de te demander, est-ce que tu peux m'expliquer comment joue l'Atlético? Je veux bien comprendre que Simeone, c'est un pragmatique, etc. Moi, les coachs pragmatiques, j'ai vraiment j'ai aucun problème contre ça, mais moi, je comprends pas. Moi, quand tu regardes les prestations de l'Atlético de Madrid de cette année par rapport aux années précédentes, c'est vrai qu'il y a peut-être moins de combativité, moins de vitesse, mais je ne trouve pas une énorme différence entre ce qu'on avait pu voir l'année dernière en Ligue des Champions quand ils se font éliminer en demi-finale et entre les productions qu'ils peuvent faire cette année. Et pour moi, ça a toujours été le même schéma, c'est-à-dire avoir une défense solide et devant être assez efficace et réaliste. On voit depuis le début de saison, ils gagnent toujours par 1-0, 2-0, mais ce n'est pas spectaculaire. On n'a pas du beau football, mais ça gagne. Quoi. Oui, mais aujourd'hui, c'est ce qu'on lui demande. Oui, mais regarde la différence de performance dans Antoine Griezmann. Cette année, on voit bien qu'il s'emmerde. Son rendement n'est pas le même cette année par rapport à. Il n'y a pas que lui. Même Saúl Ñíguez, qui avait éclaboussé l'Europe de tout son talent en quart de finale contre le Barça, notamment au retour à. Même pendant l'Euro U21. Bien sûr, après, c'est un autre système. On a vu qu'il pouvait s'éclater avec des bons joueurs de foot, avec Asensio, avec Ceballos. Mais même Coquet, on en parlait tout à l'heure. En regardant le match avec Romain et avec l'équipe rédactionnelle, aujourd'hui on a beaucoup de joueurs, notamment offensivement, qui s'emmerdent dans cette équipe. Après, pour reprendre la question principale sur l'Europa League, moi j'ai envie de te dire, bien sûr que Simeone, et ce serait pour le côté encore une fois romantique de son histoire à l'Atlético Madrid, il a commencé avec une Europa League, terminé avec une Europa League, la boucle serait bouclée. Encore une fois, on n'est pas là pour remettre en cause les talents de ce coach là parce qu'il a fait un travail extraordinaire. On remet encore une fois, on fait des débriefs d'après-match, on fait des débriefs de saison. Et cette saison, il y a quand même des choses qui ne vont pas. Et il y a quand même de la qualité dans cet effectif. C'est ça. Elle n'est même pas utilisée. Ça va peut-être avec ce que nous dit Carlitos Tevez sur le chat. Moi, je trouve que le 4-4-2 de Simeone ne veut plus rien dire. Exactement. Mettre des Coquet et Saúl milieu gauche ou droite, c'est affreux. Il suffit de comparer. Genre le 4-4-2 qu'avait Simeone à l'ancienne, c'était un 4-4-2 à plat où les couloirs montaient bien, où c'était offensif, où il y avait des centres, etc. Enfin, je veux dire, là, je suis désolé. Avec les joueurs qu'il a aujourd'hui, il est capable de faire quelque chose. Je veux dire, on en parlait tout à l'heure, mais il a recruté Gaëtan, il a recruté Alessio Cerci, qui n'est plus là aujourd'hui. Mais il y avait la possibilité de regénérer son groupe. Cette façon de jouer. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est d'une frilosité, mais c'est incroyable. Je veux dire, Walid n'arrête pas d'en parler. C'est effectivement qu'on contre une grosse équipe, tu peux te permettre de jouer comme ça. Mais tu n'es même pas capable d'imposer, de montrer quelque chose face à une équipe du FC Séville. Là, tu es censé construire ta victoire. Surtout qu'il y avait un résultat aller qui était négatif, et donc il fallait absolument une victoire de l'Atlético pour se qualifier. Oui, mais là, on parle de ce match-là, effectivement, sur ce match-là, on n'a rien vu de cet Atlético de Madrid, on s'attendait à beaucoup mieux. Mais si tu regardes depuis le début de saison, ils sont deuxièmes. Il va pas changer du jour au lendemain. Je suis d'accord avec toi, il n'y a pas de souci. On critique beaucoup l'Atlético Madrid, mais ça gagne, etc. C'est des victoires à l'arrache. Tu sens aussi que l'entraîneur aussi, peut-être que lui aussi tire sur la corde, et tu as l'impression que c'est vraiment la fin pour lui de cette saison à l'Atlético Madrid.
doit partir de son régime. Tu vois, genre, je prends la personne qui nous a écrit tout à l'heure. Tu vois, elle mettait en avant le fait que oui, mais ils sont quand même deuxième. Si tu veux, genre, moi, si c'était une force tranquille qui était deuxième, on sentait finalement une équipe qui maîtrisait son truc, bon, qui produisait pas grand chose, mais finalement, ça finissait par gagner, etc. Je veux bien. Mais là, on sent que c'est une équipe qui est sur la corde raide. Mais est-ce que tu penses vraiment que. On sent qu'il manque pas grand chose pour que ça craque. C'est à ce moment-là qu'il faut changer quelque chose. Est-ce que tu penses vraiment que cette saison, là sur la deuxième partie de saison, ils vont s'écrouler, que Valence ou Real Madrid va passer devant? Moi, j'y crois pas une seconde. Ils ont quand même un effectif de qualité, on l'a dit et redit, même si c'est pas beau à voir, mais ça continue quand même à fonctionner. Mais pour l'Europa League. Après, pour l'Europa League, ça c'est un autre débat. C'est la question. En termes de match en match aller-retour, on peut faire confiance à Diego Simeone pour trouver lui aussi les arguments avec son équipe et trouver aussi la bonne formule pour essayer d'aller peut-être au bout de cette compétition, même si ce sera compliqué. Moi, je pense, comme ce que disait Walid tout à l'heure, moi, je pense que c'est les individualités, le talent des individualités qui vont peut-être sauver l'Atlético. Mais j'imagine pas qu'il y ait un regain de. Enfin, du, je pense pas que ce soit un système collectif qui fera que. Bah, j'aimerais bien, mais je ne pense pas. On va passer au FC Séville, donc le FC Séville de Vincenzo Montella, qui est là depuis le 31 décembre dernier. On va voir le bilan de Montella depuis qu'il est arrivé à Séville. Il y a eu 5 ou 6 matchs, je crois que c'était le 6e match aujourd'hui pour Vincenzo Montella. C'est un bilan qui est mitigé. On voit 4 victoires, 2 défaites, mais il y a une défaite dans le derby contre le Betis. Ça va mieux depuis 2-3 matchs. Est-ce qu'on peut voir déjà un effet Montella, Olivier? Bien sûr, faut le dire, on l'a beaucoup critiqué, notamment quand on a fait le débrief du derby de Séville, où son équipe en avait pris 5. Derrière, il a perdu contre Alavés, alors qu'Alavés était en infériorité numérique. Et là, depuis, il a fait des choix forts, il faut le dire. Je ne sais pas si on peut revoir la composition de ce soir, mais on reproche énormément à Berizzo son turnover, le fait de changer constamment de composition d'équipe. Là, il fait des choix forts, des choix qui ont marché. Remettre Mercado à côté de l'Anglais. Mercado, c'est un joueur qui est arrivé quand Sampaoli était là l'an dernier, il jouait latéral droit, alors qu'il a, c'est un peu comme Radji, hein, je prends toujours cet exemple, il a une grosse solidité défensive, mais il n'arrive pas à se projeter offensivement. Là, il a essayé Corchia à l'aller, il a essayé Navas, qui a fait un très très bon match et qui est meilleur. Je pense que c'est une vraie trouvaille. Ce poste de latéral droit, et puis en plus, il a une affinité particulière techniquement avec Sarabia, et ce côté-là a posé énormément de problèmes à l'Atlético Madrid. Et puis j'ai l'impression qu'il fait de Luis Muriel son homme de base, même si encore une fois il a énormément à progresser, le Colombien, mais c'est de mieux en mieux. Donc je vois qu'il a essayé de retrouver une stabilité défensive et de sortir une équipe comme l'Atlético Madrid sur une double confrontation, parce que je critique beaucoup l'Atlético Madrid, mais c'est quand même une équipe solide depuis le début. Ils en mettent 5 en 2 matchs, je crois qu'ils sont à 9 ou 10 buts encaissés en Liga depuis le début de saison. Ça reste quand même une certaine performance, une grosse performance, et c'est au crédit de Montella. Cette équipe du FC Séville, elle t'a plu aussi aujourd'hui? Oui, elle m'a plu. Et si jamais on peut revoir la compo, moi je suis d'autant plus surpris. Et on va dire que là où je vais attendre l'équipe, c'est finalement est-ce que ça va être une équipe solide qui va être capable de ne pas craquer dans des matchs qui vont être un peu plus disputés. Parce que quand je vois le milieu de terrain avec Banega et Nzonzi, moi je trouve ça relativement offensif. Quand je vois Navas arrière-droit, c'est relativement offensif. Ok, Navas aujourd'hui, il a été très bon, mais lorsqu'il faudra subir, est-ce que cette équipe sera capable de montrer autant de vertus? Je ne sais pas. Vous qui avez peut-être l'habitude de voir plus Séville, est-ce que vous pensez que ce sera à confirmer, mais en tout cas, ce soir, je revois le Montella un peu de la Fiorentina, qui n'avait pas peur de tenter des choses, de créer tactiquement des problématiques à son coach qui est en face de lui, au coach qui est en face de lui. Et là, ce soir, voilà, c'est vraiment à mettre à son crédit. Quand il a pas été bon, quand il a fait des mauvais choix contre le Betis, notamment, on l'a dit. Là, ce soir, c'est 2 buts encaissés en 2 matchs. Je trouve la paire Mercado-Lenglet très, très intéressante. Maintenant, encore une fois, ça reste à confirmer sur le long terme. Ce n'est que 3 matchs. En tout cas, je pense qu'il a trouvé. Sur la bonne pente. Il a trouvé. Il y a aussi un homme qui est titulaire avec le FC Séville, qui était titulaire aujourd'hui, c'est Steven Zonzi.
Nzonzi, c'était le feuilleton peut-être du mercato hivernal de Séville. Montella a réussi à le reconcentrer, à le faire vraiment se refocaliser sur le FC Séville. C'est une vraie plus-value pour le milieu de terrain de Séville, Nzonzi. Nzonzi, forcément, quand on voit aussi le match qu'il fait ce soir, la production qu'il a au milieu de terrain et la complémentarité aussi qu'il avait avec Banega, qui est vraiment intéressante. Et c'est vraiment, pour moi aussi, l'une des forces de cette équipe de Séville pour le reste de la saison, c'est d'avoir un vrai milieu de terrain solide. Là, on a vu les 5 qui étaient alignés aujourd'hui. Ça n'a pas bougé, ça faisait les efforts collectivement. Et on a vu un Nzonzi, moi, c'est un Banega aussi que j'ai beaucoup aimé dans sa liberté de jeu. Il a pu monter, faire les passes qu'il fallait. C'est lui vraiment parce qu'il a aussi Nzonzi à côté parce de lui. Que, exactement, il sait qu'à côté de lui, il a un joueur qui pourrait faire le travail défensif et le libérer un peu de ces tâches-là. Donc je pense qu'avec cette base, en tout cas, il est parti sur une bonne base solide. Après, effectivement, à confirmer sur le prochain match. Le problème de Banega, on le connaît, c'est l'irrégularité. C'est qu'il peut te faire un match comme ce soir avec énormément d'intensité. Et c'est ça le paradoxe de cette rencontre, c'est que normalement, c'est l'Atlético Madrid qui doit bouffer son adversaire physiquement, dans l'impact physique. Et là, on a vu le milieu de terrain, soit Vasquez, soit Banega. Pour ceux qui ont vu le match chez les socios, à un moment donné, Banega est à la limite du rouge sur un gros tacle. On se dit qu'il est. C'est un jaune orangé. Et c'est cette grinta, j'ai l'impression de revoir un peu ce Séville d'Emery ou de Sampaoli qui mettait énormément d'engagement, notamment au milieu de terrain. Et la clé de la rencontre, ça a été ici, parce que derrière, les trois de devant, Correa, Sarabia, ils ont eu beaucoup plus d'espace parce qu'ils ont pu jouer face au jeu. Il y a aussi, dernier mini débat sur Séville, c'est ce poste d'attaquant. On sait que ça a beaucoup tourné avec Berizzo devant, entre Ben Yedder et Luis Muriel. Là, tu le disais, Luis Muriel, il a l'air d'être le titulaire en puissance pour ce poste d'attaquant. Il y a Figato qui nous parle d'un scandale Ben Yedder qui est mis au placard depuis l'arrivée de Montella. Tu trouves ça aussi scandaleux, toi, que Ben Yedder ne joue pas? Moi, je trouve scandaleux. Je n'irai pas jusque-là, Fid, parce que, encore une fois, même si Ben Yedder a été bon depuis le début de saison, notamment en Ligue des Champions, où il a planté ses buts, je le dis à chaque fois. 16 buts pour Ben Yedder, 5 pour Luis Muriel depuis le début de saison. Mais il a eu un temps de jeu beaucoup plus conséquent que le Colombien. Parce que moi, ce qui me dérange encore avec Ben Yedder, je trouve que c'est un excellent joueur de foot, mais que c'est très, très dur de jouer pour lui dans une équipe. Il a un style. Il a un style atypique. C'est un attaquant qui est dur à trouver dans des gros matchs. Il est fuyant, il n'est pas statique. C'est pas et Montella, s'il décide aujourd'hui de faire un choix, moi, encore une fois, que ce soit Luis Muriel ou Ben Yedder, je demande à Montella de faire un choix fixe et de donner de la continuité à son attaquant. Parce que faire les chaises musicales à chaque fois, tu tues deux attaquants et surtout ton équipe elle n'est pas renforcée de ce turnover. C'est ce qui s'est passé en première partie de saison. Donc que ce soit Ben Yedder ou Muriel, ils ont des qualités les deux, mais ça va être à Montella de faire un choix. Toi aussi, tu trouves que c'est peut-être sévère pour Ben Yedder d'avoir ce statut de remplaçant, même si il a eu de bonnes stats depuis le début de saison. Oui, je pense qu'il a parfaitement résumé la situation. Après, je pense peut-être que Muriel est un peu plus complet. Je pense que c'est plus facile d'aligner un profil comme Muriel dans un schéma comme ça. Dans le Ben système Yedder, avec un numéro 10 derrière. Moi, j'imagine plus Ben Yedder qui accompagne un autre sur attaquant. Sur les 20 minutes, parce que surtout quand tu as une défense comme Godin ce soir, Godin-Jiménez, Ben Yedder, s'il est... S'il est tout seul en pointe, dans l'impact, il va falloir qu'il dézone énormément. Donc, ça va être un peu comme Dries Mertens ou comme Kevin Volland quand on parlait de Leverkusen. Il faut un mec un peu plus solide, un peu plus solide sur ses jambes. Même si, encore une fois, Luis Muriel, je ne l'ai pas trouvé bon ce soir. Il ne fait pas un gros match, mais il est utile. Et quand on voit que les deux meilleurs offensifs, c'est Correa et Sarabia, c'est que ce n'est pas anodin. C'est qu'il a fait quand même un travail de sape dans l'ombre. Par contre, je peux comprendre la frustration vraiment de Ben Yedder comme de ne pas jouer alors qu'il avait eu de bonnes stats. Ça, on va passer à la France, on va passer à la Coupe de France. Donc c'était le début des 16e de finale de cette Coupe de France. On va voir les résultats de ces 16e de finale. Il y avait une petite dizaine de matchs aujourd'hui avec quelques surprises. L'élimination de Toulouse par Bourg-en-Bresse, l'élimination de Nantes par Auxerre, Caen qui s'en sort au tir au but contre Canet-en-Roussillon qui était un des petits poussés, la victoire de Chambly contre Châteauroux, c'est une bonne performance de la part de Chambly, Lens qui s'impose contre Saint-Brieuc, Sochaux qui l'emporte contre Colomiers, la victoire de Concarneau contre Granville, non je crois que c'est Granville qui s'est qualifié face à Concarneau, et la victoire de Marseille face à Épinal, ça fait 2 sur 4 pour les clubs de Ligue 1, 2 sur 4 sachant que Caen s'est qualifié au tir au but contre le Canet en Roussillon. On va commencer par Toulouse. Toulouse, donc c'était le premier match
post Duprat, depuis la démission de Pascal Duprat. Duprat, il n'y a pas eu de, bah, d'effet, il y a pas eu d'effet de bève, tu croyais pas trop ? Ah, c'est un peu compliqué. Match de semaine en Coupe de France, à l'extérieur. Bon, je ne suis pas là pour dédouaner Toulouse, hein, mais ils sont sur une spirale très, très négative. Moi, encore une fois, c'est une énigme, cette équipe, parce que par rapport à une équipe comme Nantes, en termes d'effectifs, quand on voit le gardien, quand on voit la défense centrale, quand on voit des joueurs comme Delors, comme Corentin Jean, même Imboula, il y a des joueurs intéressants. Même Imboula au milieu de terrain, il y a vraiment de quoi faire. Je ne dis pas pour de jouer l'Europe, mais de taper, de sortir Bourg-en-Bresse en Coupe de France ou d'être dans la première moitié de Ligue 1, il y a vraiment la qualité pour. Pour moi, c'est une énigme. Après, je ne regarde pas assez de matchs de Toulouse pour vraiment bien analyser les problèmes, mais sur ce que je vois dans les gros matchs, il y a quand même un gros souci mental dans cette équipe. Olivier Sadran a dit que Toulouse n'allait pas partir à la pêche aux entraîneurs, que Michael Debève allait sûrement rester jusqu'à la fin de la saison. Je dois faire les gros yeux, Flavien. Voilà, c'était le moyen de se relancer, cette Coupe de France face à Bourg-en-Bresse, ça les enfonce encore plus. Oui, le moyen de se relancer, enfin c'est compliqué, comme l'a dit Walid, on vire à l'entraîneur le week-end, on se retrouve avec un match de coupe face à une équipe qui a peut-être aussi un peu plus de... qui a peut-être moins de moyens techniques, mais qui a peut-être un peu plus d'envie et de niaque. Et ça se voit sur la combativité. Walid l'a très bien dit, niveau mental, cette équipe de Toulouse, depuis le début de la saison, c'est sur la continuité aujourd'hui. Ils sont absents. C'est toute la, depuis le début de saison, cette équipe n'existe pas, même s'ils ont des bonnes individualités. Comme tu penses que c'est mentalement que ça se joue ? Alors mentalement, oui, il y a cette part de responsabilité, mais il y a aussi, je pense, dans cette équipe... Alors, on a viré l'entraîneur. C'est une équipe bis, ça, ce soir, quand même. Oui, il manque aussi Maxence Gradel, qui est suspendu et qui est le buteur de cette équipe avec Delors. Mais je pense aussi que dans cette formation, il y avait un problème d'entraîneur. Moi, enfin, je ne veux pas être trop critique avec Duprat. On sait très bien que c'est un entraîneur qui a de la gouaille et qui arrive aussi à motiver ses joueurs. Mais je pense qu'au bout d'un moment, ça ne suffit plus. Il faut une part de tactique, il faut une part d'intelligence dans le jeu. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, il ne l'avait plus. Et ça montre un peu les limites de son Toulouse, système, de son fonctionnement. Surtout que Toulouse, on dit souvent reculer pour mieux sauter. Eux, ils ont reculé pour sauter 2 ans après. Duprat, ils l'ont pris pour une opération commando il y a deux saisons. Ouais. Ils l'ont eu. Ils étaient quoi, à 10 points de retard à la trêve. Ils ont réussi à sauver. On connaît Duprat, c'est un meneur d'hommes. C'est pas un tacticien, etc. Et 2 ans après, malheureusement, quand Sadran, il dit « je vais pas aller à la pêche aux entraîneurs » parce qu'à ce moment-là, normalement, tu vas chercher Duprat. Quand t'es en difficulté, là, ils peuvent plus aller le chercher vu qu'ils viennent de le virer. Donc, il faudrait un entraîneur de son style pour le faire. Exactement, sauf que c'est un peu compliqué. À part sur les plateaux de Canal et de Beansport, il n'y a pas grand chose à aller chercher, je peux te le dire. Moi. Sur le chat, on aurait dit que cette équipe était trop forte pour Duprat. Lui, c'est que des équipes pour aller à la guerre au charbon, pour jouer au foot. Ah, ça manque de Bérigo. Ça manque de Kevin Bérigo. On va passer au match de Nantes. Nantes qui s'est incliné à domicile face à Auxerre, un match un peu fou, il y avait 3-0 au bout de 20 minutes pour Auxerre. Nantes qui ensuite est revenue à 3 partout pour ensuite prendre un but dans les dernières minutes. Cette équipe de Nantes, elle nous a surprise parce que c'était une équipe qui était assez type, mine de rien, au coup d'envoi. Et elle s'est fait surprendre par Auxerre qui n'est pas au mieux pourtant en Ligue 2. Bah, moi, c'est en tout cas le début de rencontre, j'ai vu les mêmes problèmes que j'ai vu lors de la dernière rencontre. C'est-à-dire qu'une équipe qui est incapable de créer quoi que ce soit, qui a malheureusement des limites techniques qui sont assez criantes. Je veux dire, lorsque j'ai vu Nicolas Pallois axe gauche, j'ai rien contre Nicolas Pallois. Je veux dire, il inspirait vraiment pas la sérénité avec Kofi Djidji, que pourtant j'aime bien. Et là, ils se sont fait croquer d'entrée et il y avait absolument rien à redire. Après, bon, comme d'habitude, il y a toujours Valentin Rongier qui est là pour mettre un peu le pied sur le ballon, pour orienter, mais au bout d'un moment, ça suffit pas. Et je trouve que Ranieri, pareil, genre, il fait ce qu'il peut, il essaye de faire jouer cette équipe comme une bonne équipe, mais le problème, c'est que je pense que techniquement parlant, il n'a pas les joueurs pour faire ça. Alors pour l'instant, en termes de saison, la saison, en termes bilan comptable, c'est bien, mais lorsque je les ai vus face à Bordeaux, pour moi, je trouve que l'équipe de Bordeaux a beaucoup plus de qualité que... Non, mais ce qui est sûr, je ne sais pas combien de temps ça va tenir. Ce qui est surprenant, Flavien, ce soir, c'est qu'ils prennent 3 buts. Et voilà. Ils en prennent 4 en tout. Ils prennent 4 buts, mais ils en prennent 3 très rapidement. Bien sûr, exactement. Et c'est une équipe qui sait gérer. En tout cas, c'est un entraîneur qui demande à son équipe de bien gérer les débuts de match, d'être solide. On le voit depuis le début de saison, c'est leur force. On sait que c'est pas une équipe flamboyante offensivement, mais là, de prendre 4 buts comme ça face à une équipe d'Auxerre qui est combien en Ligue 2, ils jouent le maintien. 14-15. Voilà, ils jouent le maintien. C'est quand même assez et surprenant. Encore, c'est une équipe et moi, ça fait 3 matchs d'affilée que je vois les
l'équipe nantaise contre Paris, contre Bordeaux, et là ce soir, et je suis très très inquiet. 12e en Ligue 2. 12e en Ligue 2, d'accord. Bah oui, ils sont dans le ventre mou de la Ligue 2. Mais en tout cas, voilà, je suis très très inquiet par rapport à, encore une fois, à des équipes qui, je pense, en deuxième partie de saison, comme on parle de la 5e place de Nantes, mais Nice revient très très bien. Il y a des équipes comme Rennes aussi qui peuvent leur passer devant. Je pense qu'ils vont moins bien terminer leur deuxième partie de saison qu'ils ont commencé la première. Carlitos Tevez nous dit Palois, il est meilleur en fin de manif quand il faut évacuer les manifestants. Je suis pas sûr, c'est le bon truc. Et on a Afid Gâteau qui nous donne un petit tuyau. Le grand frère de Rongier joue dans son équipe et donc il a dit que Rongier était appelé très souvent par contre Conceição pour aller à Porto. Donc ça sera peut-être. Ça m'étonne pas. C'est un bon joueur. Ah, il est vraiment très bon. Et d'ailleurs, à l'époque, il y avait Conceição, ils étaient vraiment proches. Ouais, ils étaient. Il l'a fait éclore l'année dernière. Il veut pas y aller tout de suite là en janvier, Rongier, parce qu'il a un 8e de finale contre Liverpool. Moi, j'y vais. J'y vais en bus. Tu préfères pas jouer la Ligue 1? Il y a un titre à jouer à Porto. Ils sont proches. Nantes le laisse partir aussi. On a vu la difficulté où ils sont actuellement. Et en plus, bon, il y a un petit contrat moral entre les deux, dans le sens où Rongier a été blessé très longtemps et malgré ça. Il y a encore des contrats moraux dans le football de haut niveau maintenant, le football moderne. En tout cas, quand on parle de romantisme, on se fait chier à la gueule. Mais il y a encore Il y a encore des contrats moraux. Un petit peu, non? Oui, c'est ça. Puis en plus, Conceição, comme il est parti en bon terme avec le FC Nantes, je suis pas sûr qu'il veuille tout de suite leur prendre tout. Oui, tout leur payer tout de suite des joueurs. Après, juste un petit mot sur Auxerre, effectivement. On en a parlé, avec l'arrivée de Pablo Correa aussi, c'est une nouvelle équipe. C'est vraiment une équipe qui a su se régénérer, avoir d'autres résultats. Ils ont inscrit beaucoup de buts depuis le mois de janvier. 4 buts de moyenne depuis voilà. Sur les Et donc, 5 ça derniers peut matchs. Expliquer un petit Tom peu Saint-Jean cette réussite face à Nantes. Mais effectivement, Nantes, comme l'a dit Walid, je pense qu'ils sont un petit peu sur la face descendante. Pablo Correa, très, très bon entraîneur de Ligue 2. Très offensif. Ligue 2, très, 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 très bon. Après, quand c'est voilà. Est-ce que ce ne serait pas le meilleur entraîneur de l'histoire de Ligue 2 avec Jean-Marc Furlan? Peut-être. Vous êtes méchants, les gars. Qu'est-ce qu'il y a? C'est vrai, ils ont. Quand on parle de Duprat, Correa aussi, la date de péremption, c'est un an et demi. Après un an et demi, il faut jeter le yaourt. Tu penses qu'on va. Il a une chance à Toulouse, Pablo Correa? Non. Bah non, il vient d'arriver à Auxerre. Il vient d'arriver à Auxerre. Ça nous a, en tout cas, il n'y a pas de contrat moraux. Ça nous a fait revoir des gestes de Ludovic Aubagnac. Donc c'était déjà pas mal. Il joue encore. On va terminer avec le dernier match de cette Coupe de France. C'est Épinal-Marseille. C'était le dernier match de la soirée. La victoire 2-0 des Marseillais, des buts de Valère Germain et de Morgan Sanson dans les arrêts de jeu. C'était un OM poussif, 0-0 à la mi-temps contre Épinal. Et après, ça s'est. Voilà, c'est forcément parce que Épinal est une équipe bien inférieure. L'OM a réussi à faire la différence. Mais il y a des moments où Épinal poussait aussi. On a cru à un moment qu'il pouvait faire la surprise. Le problème avec Marseille dans ce match-là, j'ai eu l'impression qu'ils ont voulu jouer au football, alors que sur ce terrain-là, face à une équipe qui est inférieure, voilà, sur le plan national, il aurait fallu jouer beaucoup plus rapidement vers l'avant, en essayant d'être efficace, pas en jouant des longs ballons, mais quand même en essayant d'être beaucoup plus fluide, et ça jouait un peu à la baballe au milieu de terrain, alors que le terrain était catastrophique, et ils ont mis une mi-temps à rentrer dans ce match. Il y a eu aussi Mitroglou qui a fait un match très très moyen, mais le problème de Mitroglou, encore une fois, moi je suis un grand défenseur du grec depuis le début de saison ici, c'est que j'ai l'impression qu'il a perdu toute motivation. C'est-à-dire que le mec sait que les dés sont pipés, que Germain est devant, que le vestiaire, et je le disais la dernière fois, et l'opinion publique. Les dés n'étaient pas pipés dès le départ. Oui, d'accord. Mitroglou avait un statut de titulaire quand il a été arrivé, perdu. Mais encore une fois, un statut de titulaire, parce qu'en disant voilà, on s'est trompé, la communication c'était celle-là, on s'est trompé, on n'a pas eu notre grand attaquant, bon vas-y, joue, on ne te met pas dans les meilleures conditions, on te met dans un 4-2-3-1, alors qu'on sait très bien que tu as besoin d'un autre attaquant, t'es pas bien physiquement, tu viens de te blesser avec la Grèce contre la Croatie en barrage. Il y a eu tout un contexte. Et là, j'ai l'impression que depuis 3-4 semaines, depuis que Germain met 2 ou 3 buts, même si, encore une fois, Germain, il met un beau but ce soir, mais depuis 2-3 matchs, je ne trouve pas que Germain, notamment contre 3, quand il rate le penalty, contre Strasbourg, dans le jeu, je ne le trouve pas intéressant. Mais Garcia, le bord de l'Olympique de Marseille, les supporters marseillais et le vestiaire marseillais veut
qu'ils veulent que ce soit Germain qui joue, ça se voit. Et Mitroglou, je le vois, on le voit dans son expression corporelle, même quand il sort, il n'en a plus rien à battre. Ça se voit. C'est triste parce que je pense que si Garcia, et notamment sur la deuxième partie de saison, avec l'Europa League et avec la course, course à la deuxième place, il va avoir besoin de ses trois attaquants parce qu'il y a NG aussi qui est intéressant sur ses rentrées. Et je pense que le soldat Mitroglou, il est mort. Tu penses aussi que Mitroglou, c'est. Qu'est-ce qu'il y a? Il m'a fait rire. Ouais, parce qu'il part dans des tirades, parfois il part dans des trucs. On a l'impression qu'il part à l'improviste, mais en fait, il a un truc qui est préparé depuis le début. C'est un métier. Tu penses aussi. on va se concentrer un tout petit peu sur Mitroglou, vraiment, histoire de clôturer ce débat-là. Et puis après, on parlera vraiment des Marseillais. Tu penses aussi que Mitroglou est complètement lavé, qu'il en a marre déjà marre de l'OM? Bah, c'est clair qu'on a vu que ses coéquipiers ne comptaient pas sur lui. Enfin, moi je ne l'ai pas vu servi dans. Enfin, y a un moment, il y a une micro-occasion. Mais effectivement, lorsqu'on n'est pas en confiance et qu'on n'a pas l'appui de ses partenaires, qu'on a tout le monde contre soi, c'est normal que. Mais on le voit. C'est ce que nous dit Samy Bellanoir sur le chat YouTube. Il nous dit le problème de Mitroglou, c'est ce système, c'est ce que les gens qui lui le reprochent ne le comprennent pas. Mais Romain, moi je peux pas croire que ce mec-là soit une chèvre. Moi je l'ai vu à l'Olympiakos, je l'ai vu à Benfica, notamment pas l'année dernière, il y a deux ans, où il plante 16 buts, où il joue en Ligue des Champions contre Dortmund. Ce mec-là, il a du talent. Et c'est pas un top player, mais c'est un attaquant très très honnête. Et pour la Ligue 1, je pense qu'il peut réussir. Maintenant, on le voit, les trois derrière lui, que ce soit Payet, Sanson et Thauvin, quand ils jouent avec Germain et quand ils jouent avec Mitroglou, ils n'ont pas les mêmes affinités. Et j'ai l'impression. Après, on a tous joué au foot. Quand on voit un mec à l'entraînement qui est cramé ou qui n'est pas bon, ou à un moment donné, on veut plus faire l'effort. Et même quand Germain marque, on le voit, on voit l'expression corporelle des joueurs, ils viennent très très rapidement. C'est très difficile de voir quand Mitroglou marque. Parce qu'il marque pas. Oui, mais il y a aucun. Moi, je pense à Payet, un mec. C'est un capitaine, c'est un leader, ou même Luis Gustavo ou Adil Rami. C'est pas des mecs qui viennent voir Mitroglou en disant allez, ce soir c'est ton soir, on croit en toi. J'ai l'impression que le 11 marseillais et même le coach Rudy Garcia, il avait donné une interview dans Team Dugas chez RMC. Juste après la trêve, où c'est un discours de circonstance où il disait ouais, bah Mitroglou, non, on lui fait confiance. Mais on n'y croyait pas une seconde. Et c'est ça qui est dérangeant. Dominique Affidiato nous dit, est-ce que Mitroglou fait le nécessaire pour être au point physiquement? Parce que je l'ai trouvé fort ailleurs, mais là, selon moi, son vrai problème, il a l'air d'être physique. Est-ce que tu as l'impression qu'il met tous les éléments pour être au top de sa forme? J'ai pas l'impression depuis son arrivée. Enfin, voilà, on a donné un peu toutes les raisons. Effectivement, peut-être qu'il est mis à l'écart du groupe. Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment une erreur de casting. Ça a été un recrutement fait par défaut parce qu'il est vraiment arrivé dernier jour du mercato, parce qu'on n'avait pas trouvé mieux. Effectivement, comme l'a dit Walid, on l'a un petit peu parraché dans cette équipe. Maintenant, je trouve aussi que ce joueur, à chaque fois qu'il a été aligné, même en début de saison, physiquement, il n'y était pas. Dans les courses, il n'y était pas. On voit un manque d'implication. Là, on lui donne une chance. Alors, effectivement, c'est compliqué quand tes joueurs, tes partenaires ne veulent pas te donner. Je joue contre Épinal sur le terrain d'honneur. T'es censé au moins montrer quelque chose. Est-ce que t'as vu un appel? Rien, c'est vrai. On a l'impression que lui, il a lâché, mentalement, il n'y est plus. Et pourtant, Marseille a besoin de tous ses joueurs pour faire la deuxième partie de saison. Il y a l'Europa League, il y a le championnat, il y a encore la Coupe de France. Donc, il faut que tout le monde soit impliqué. Mais lui, t'as l'impression qu'il est vraiment déçu. Moi j'ai commencé par ça. Moi je dis que pour moi il est plus motivé, mais après c'est aussi un travail du club, des joueurs, mais aussi de sa part. Si tu sais que c'est difficile, tu essaies de t'accrocher. Moi j'ai l'impression que depuis le mois de décembre, il est plus concerné. L'ironie ou le sort qui s'assemble sur Mitroglou, c'est que Germain le remplace et que Germain marque sur son premier ballon, donc c'est un peu. Bien sûr. Sur cette équipe de l'Olympique de Marseille, alors le terrain difficile, ok. Est-ce qu'on était en attente, est-ce qu'on pouvait attendre plus de cet Olympique de Marseille face à Épinal, avec 0-0 à la mi-temps, 0-0 à la 60e, et une situation qui se débloque? Finalement, il y a la qualification, hein, c'est le principal, et c'est ce qu'on attend dans un match de Coupe de France. Mais est-ce qu'on devait attendre plus de cet OM-là face à Épinal? Vu le terrain qu'il y avait, non, je pense pas. Enfin, je veux dire, c'est un match de coupe, un match piège par excellence. Moi, j'estime que l'OM a fait le boulot. Par contre, il y a un joueur que je voudrais ressortir qui, pour moi, a encore fait un bon match, c'est Zambo Anguissa.
Franchement, genre là, il avait le numéro 10 floqué dans son dos. Non, mais franchement. Et, ah, ils lui ont donné le numéro 10 ? Ouais, et je trouve pour le coup, mais tu sais quoi, il a fait honneur au numéro. Je sais pas, genre, il était bien droit, tout ça. Non, vraiment. Tu l'as vu dans la prestance, il était autre chose. Faut pas être lui donne, quoi. Bah écoute. En championnat. Non, mais pour le coup, moi, j'ai été agréablement surpris par sa première. C'est un joueur qui est en constante progression, Zamboguissa. Ah, mais c'est un joueur. S'il y avait un joueur sur le terrain qui était. Qui pouvait rayonner sur ce terrain-là. Non, mais sincèrement, les gars, c'est Zamboguissa. Parce que le petit Maxime Lopez, Sanson, ouais. etc., c'est des joueurs qui essaient de combiner. Lui, il a été au charbon en première mi-temps. Il a d'abord mis ces ingrédients-là. Après, oui, il a essayé de combiner des petits jeux en triangle, etc. Mais parce que, encore une fois, le terrain lui permettait. Moi, je suis désolé, mais le meilleur Olympique de Marseille sur ce dernier mois, c'est contre Rennes et Zambo, il est pas là. C'est Luis Gustavo sans son milieu relayeur et numéro 10 Payet. Donc encore une fois, moi Zambo Anguissa, c'est comme NG, je peux pas les incriminer parce que c'est des joueurs qui font leur boulot, qui sont courageux, qui font le taf à chaque fois qu'on appelle à eux, mais moi je trouve qu'il y a meilleur dans je pense qu'il y a mieux à faire que mettre Zambo Luis Gustavo, on l'a vu. C'était pour Maxime Lopez. Non, moi je mettrais sans son Payet. Sanson et Payet. Sanson façon Montpellier et Payet en numéro 10. Et avec Ocampos, c'est. Le problème, c'est qu'Ocampos, si on a mieux, il faudrait mettre mieux qu'Ocampos, mais Ocampos, il est là. Donc, un dernier mot sur Marseille, ouais, c'est une qualification donc, logique, etc. Oui, le travail a été fait. Maintenant, une équipe de Marseille qui joue à Épinal, même, et on peut avoir l'excuse du terrain, il doit faire mieux. Dans cette partie de la première mi-temps, il n'y avait rien, c'était le néant des deux côtés. Hein. Marseille, il n'y a pas eu de jeu, il n'y a pas eu de production, il a fallu attendre le remplacement et l'entrée de Thauvin pour un peu de jeu, un peu d'éclair de génie. Et on discutait lors des derniers débats, mais cette équipe de Marseille, on lui enlève un ou deux joueurs, que ce soit Luis Gustavo ou Florian Thauvin. On voit tout de suite la différence, ça manque de génie, ça manque vraiment de jeu dans cette formation. Et même s'il y a la qualification, et heureusement, moi, enfin, je suis supporter à Marseille, je suis un peu plus intransigeant et un peu plus. J'attends plus de cette formation-là, surtout face à une équipe d'Épinal qui normalement était à sa portée. T'es supporter à Marseille ou si t'étais. Non, si j'étais supporter de l'OM, je serais beaucoup plus intransigeant et voilà, j'en demanderais un peu plus, même s'il y a la qualification au bout, c'était vraiment pas terrible ce soir. On verra ce que ça donnera pour l'Olympique de Marseille. Suite des 16e de finale, ça sera demain. Il y a notamment un PSG Guingamp à 18h30 et le choc. Demain, on a un gros programme. C'est Monaco-Lyon. On va avoir un gros programme demain. Entre l'Arsenal-Chelsea. L'Arsenal-Chelsea. Il y a le Real aussi qui joue demain. Il y a pas mal de choses. On verra ça demain. On va passer à la dernière partie de l'émission. C'est la partie de l'émission que vous aimez beaucoup, les sociaux, parce que vous pouvez vraiment agir dessus. C'est la partie Mercato. Donc, le Mercato, on voit les infos Mercato. C'est magnifique. Il y a un petit truc par-dessus. La première info, c'est une officialisation. C'est celle de Lassana Diarra au Paris Saint-Germain. Ça y est, c'est enfin fait. On le voit en photo, là, avec ce nouveau maillot. Il aura le numéro 19. Il est un peu grand, le maillot. Il est un peu grand, le maillot, tu penses, ouais, pour lui? Il est un peu large. Ouais. Ouais, bah, une taille en dessous, ça serait pas mal. Hein. Lassana Diarra qui s'engage jusqu'en juin 2019 à 32 ans. Je vais faire sa citation quand même, puisqu'il a réagi après ça. Lassana Diarra: je suis extrêmement heureux de pouvoir enfin rejoindre le club de ma ville natale. Ça fait sourire beaucoup sur le plateau, parce que les clubs de cœur de Lassana Diarra, on sait ce que ça veut dire. Le Paris Saint-Germain représente beaucoup de choses à mes yeux, et avec la dimension internationale qu'il a prise ces dernières années, tous les joueurs rêvent d'y évoluer un jour. J'ai la chance de pouvoir réaliser ce rêve. À moi de tout faire désormais pour apporter toute mon expérience, toute mon envie de jouer au plus haut niveau et de prouver à mon club qu'il a eu raison de placer sa confiance en moi. Lassana Diarra, voilà, le PSG a enfin sa deuxième sentinelle derrière Thiago Motta. C'était l'objectif des dirigeants depuis un an, deux ans maintenant. Ça peut être une véritable alternative à Thiago Motta, à ce poste de numéro 6, ou c'est que pour combler pour la Ligue 1 et pour préparer Motta pour les grandes échéances? Déjà, j'aimerais rendre hommage à son agent, Moussa Sissoko, qui est aussi agent de Benatia et d'Ousmane Dembélé, oui. qui a réussi à refourguer Lassana Diarra au Paris Saint-Germain. C'est très très fort. Il y a eu Djilo Bodji à Chelsea, et il y a eu Lassana Diarra au Paris Saint-Germain. Non, mais déjà, ça, faut le dire. Parce qu'il y a des agents qui ne travaillent pas. Lui, en tout cas, il fait du très très bon travail. Parce qu'il faut raconter aux socios, il l'a proposé à Antero Henrique. Antero Henrique avait deux choix. C'était soit de ramener Witzel de Chine ou de Lassana Diarra, parce qu'il voulait un mec qui puisse jouer en Ligue des Champions. Et donc, ils ont pris Lassana Diarra. Maintenant, pour parler de Lassana Diarra et des conséquences sur le jeu parisien et sur le
sur le gros match le 14 février. Encore une fois, moi je le disais récemment ici, j'ai pas d'avis définitif sur ce joueur parce qu'encore une fois, s'il y a un joueur qui est capable de se mettre au niveau dans un grand rendez-vous et qui nous a montré, notamment, même si ça reste le contexte marseillais, ça reste le contexte Ligue 1, et qui, pour moi, dans ses jambes, dans ses cannes, il a le niveau Ligue des Champions parce qu'il l'a montré au Real Madrid, il l'a montré à Chelsea, il l'a montré aussi en équipe de France, c'est bien Lassana Diarra. Maintenant, encore une fois, moi, j'ai aucune piste, aucune info sur son état physique. Je ne sais pas s'il a travaillé, s'il va être prêt pour un grand rendez-vous. Maintenant, si on a le Lassana Diarra opérationnel, c'est meilleur que Lo Celso, c'est meilleur que Mota. J'en suis persuadé. Je pense que c'est meilleur que Mota. C'est pas meilleur que Mota intrinsèquement sur ce qu'il a montré au Paris Saint-Germain, mais le Mota d'aujourd'hui. Le Mota d'aujourd'hui est qu'à Lassana Diarra en pleine forme. Voilà, qui est blessé, etc., qui enchaîne les blessures, qui ralentit le jeu, etc., c'est meilleur. Maintenant, encore une fois, dans ce que je dis depuis tout à l'heure, il y a beaucoup de si. Oui. Mais malheureusement, c'est des si que Emery et Antero Henrique. Pourquoi il y a beaucoup de si? Parce que justement, voilà, Lassana Diarra, on vous a mis son parcours depuis qu'il a quitté le Real Madrid. C'était en 2012, donc ça va faire 6 ans. 25 matchs avec l'Anzi Makhachkala, 41 avec le Lokomotiv Moscou, 41 avec Marseille et 5 avec Al Jazeera. Ça fait donc dans des championnats qui ne sont pas forcément les meilleurs en Europe surtout la Ligue 1. Surtout la Russie et les Émirats arabes unis. Ça fait une centaine de matchs sur 6 ans. C'est quand même assez peu, une centaine de matchs sur 6 ans. Est-ce que tu penses que Lassana Diarra est en capacité, voilà, Walid disait que s'il y en a un qui peut le faire, c'est bien lui. Est-ce que Flavien, tu vois Lassana Diarra possiblement revenir à son niveau physique pour être véritablement postulant dans ce poste de numéro 6 titulaire? Comme l'a dit Walid, tout dépend de sa condition physique actuelle. Par contre, en termes de profil, moi je pense qu'un milieu de terrain composé de Lassana Diarra, Rabiot et Marco Verratti, pour moi c'est un milieu de terrain qui est très équilibré et je pense que ce milieu de terrain a tout à fait les moyens de rivaliser avec celui du Real Madrid actuellement. Maintenant, voilà, la grande question, c'est dans quel état d'esprit va être Diarra. Je pense que ça va être un Diarra revanchard. De toute façon, je pense que son implication, j'en ai vraiment aucun doute. C'est quelqu'un qui, d'habitude, se fond assez facilement dans les vestiaires. Voilà, c'est quelqu'un qui a connu Madrid, Chelsea. Je pense qu'il n'aura pas de problème à intégrer, à gérer, à bien s'entendre avec les autres. Maintenant, voilà, je veux dire, la grande interrogation, c'est est-ce qu'il va être prêt physiquement? S'il n'est pas prêt physiquement, je trouve que ça va plus handicaper le PSG qu'autre chose, parce que Lo Celso, même s'il n'a pas été bon face à l'Olympique Lyonnais, je trouve qu'il est dans une pente ascendante. Effectivement, Lo Celso, ce n'est pas une sentinelle, c'est pas quelqu'un qui est censé être placé dans la défense pour récupérer les ballons, mais dans l'effectif du PSG, une place sur le banc, ça coûte cher. Non, mais la différence avec Lo Celso, Flavien, c'est qu'encore une fois, dans l'optique du 14 février, Lassana Diarra, il est chez lui là-bas, il a déjà joué combien de classico, Lo Celso, il va arriver à Bernabeu, il va se chier dessus. Au moins sur ça, avec Lassana Diarra, on est sûr. Un peu sévère avec Lo Celso, non? On ne sait pas. Déjà au Parc OL, il a eu du mal. Donc, tout le contexte, etc. On ne va pas le parachuter. On ne va pas le parachuter à Bernabeu. Mais je ne parlais pas dans un contexte Bernabeu. Non, mais encore une fois, pour parler de Lassana Diarra, la seule chose qui compte ce soir et le seul gros débat, c'est à part si je me trompe, c'est le 14 février. Parce que si Lassana Diarra sera prêt, on nous parle de. C'est Carlito Sévez qui nous dit peut-être pas pour le match aller, mais pour le match retour, il aura plus de chances de gagner. Parce que s'ils ont pris Lassana Diarra pour jouer en Coupe de France ou pour jouer contre Dijon ou Strasbourg, je vois pas l'intérêt. Maintenant, encore une fois, là, on est sur Romain, on est sur du très très court terme. Si on doit parler de toutes les erreurs, que en tout cas de la grosse erreur, si on a une au mercato estival, d'avoir préféré prendre Mbappé plutôt que Fabinho, ce soit en tout cas sur ce mercato là, ils sont en train de le payer, le Paris Saint-Germain, parce qu'aller chercher Lassana Diarra, normalement pour un club qui veut prétendre au dernier carré de Ligue des Champions, c'est une anomalie. Il y a que le PSG pour faire ça. Maintenant c'est fait. Qu'est-ce qu'il faut dire? Faut attendre. Faut voir si Lassana Diarra il est opérationnel tout de suite. S'il faut qu'il fasse une préparation d'un mois, là c'est sûr que c'est mort dans l'œuf. Est-ce que et la conférence de presse elle se déroule quand? Romain, c'est demain ou après-demain? On va en savoir un peu plus. Oui, on verra. Est-ce que le match déjà demain, après on verra. Est-ce que le joueur peut intégrer le groupe rapidement? Est-ce qu'il peut jouer un match de championnat? C'est des questions que malheureusement on peut pas répondre. Mais si on doit englober sur le fait
fait de l'erreur du d'Antero Henrique et de Emery, c'est de ne pas, pour moi, c'est de ne pas avoir pris un vrai 6 à la base cet été. Elle vient de là, l'erreur. Dominique, on n'a pas eu ton avis, toi, encore pour, sur Nassane Adira. Tu penses qu'il a une chance de. Bah, si, encore, on remet les 6 du physique, etc. C'est vraiment 6. Est-ce que tu penses qu'il a une chance d'intégrer ce 11 titulaire du Paris Saint-Germain? On va voir la composition du Paris Saint-Germain avec Nassane Adira, ce que ça donnerait. Bah, en pleine possession de ses moyens, oui, forcément. Moi, je pense que, comme l'a dit Walid, avec un Thiago Motta qui est sur la fin aussi, qui est toujours blessé et qui est à court de forme, si Nassane Adira, lui, est en pleine possession de ses moyens, il n'y a pas photo entre ces deux joueurs aujourd'hui. Il peut être ce numéro 6 dont a besoin le Paris Saint-Germain. Petit rectificatif, Walid, le CSO a quand même fait des derbies assez chauds en Argentine. Je ne pense pas que... un match à grande intensité, il pourra se... Il fait des super classicos, c'est ça avec... Voilà, pas des super classicos, mais il a joué la Boca Junior, River, donc c'est quand même des matchs. Il a joué aussi la Copa Libertadores, donc il y a beaucoup d'intensité. Il avait été bon. Oui, c'était un très bon espoir. D'accord. Donc je pense que là-dessus, il pourrait quand même répondre. Après, effectivement, dans le jeu, même si je ne suis pas trop d'accord avec Flavien, c'est vrai que c'est pas son poste. C'est, à la base, Lo Celso, c'est plus un offensif qu'un numéro 10. On l'a mis 6, ça a bien fonctionné dans les... Petit match de Ligue 1, on l'a vu contre Lyon, c'était plus compliqué. Nassane Adira, lui, il a l'expérience ici de ses grands matchs, soit la Coupe d'Europe avec Real Madrid, avec Chelsea, il a pu jouer ce genre de match. Donc je pense que si Adira est en bonne possession de ses moyens, aujourd'hui il n'y a pas photo, et dans ce milieu terrain, il fera vraiment du bien pour aussi mettre un peu plus d'impact physique. On l'a vu, c'est le péché du Paris Saint-Germain cette saison, dans les grands matchs où il y a de l'intensité au milieu terrain, ils ont été mangés, ça a disparu. Et je pense que Adira, lui, il a la capacité aussi de pouvoir résister et pouvoir faire monter aussi ses coéquipiers et les pouvoir les libérer sur ses places. Et puis surtout, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Dans des plateaux télé, Nassane Adira, c'est pas Diaby. C'est-à-dire que quand on parle de blessures, etc., Nassane Adira, lui, il se blesse beaucoup moins que Diaby. Et sur un temps de jeu, on va dire sur 2 ou 3 mois, on l'a vu à Marseille, il peut donner tout ce qu'il a sur 2 ou 3 mois. Alors après, il peut se péter, mais en tout cas, il peut faire les efforts nécessaires pour le jour J. Et le jour J, pour moi, dans sa tête, quand son agent, j'en reviens à son agent, quand son agent a demandé à Antero Henrique, son seul objectif, c'était le 14 février pour moi. Mais ce serait Nassane Adira qui t'a pas joué de l'année, sur le chat, on nous parle de coups de poker que ça serait si Nassane Adira serait là. Est-ce que, moi j'ai une question qui me vient à l'esprit, est-ce que si l'objectif c'est le 14 février, avoir mis autant de temps à signer au Paris Saint-Germain, sachant que la période de transfert était ouverte depuis, maintenant on est le 23 quand même, le 23 janvier. Il y a eu des négociations assez hardes. L'objectif était dans la négociation plutôt que dans le match. Est-ce que le PSG n'a pas aussi demandé ses conditions physiques, quoi, comment il était, est-ce qu'il s'entraînait, est-ce qu'il peut jouer? Je pense qu'ils ont, à mon avis, le Paris Saint-Germain, quand même, s'ils ont décidé de passer le... Pour moi, Emery, vu ses conférences de presse sur les 10 derniers jours et les performances de Lo Celso, tu voyais qu'il disait non, Diarra, on en a pas besoin. Je commence à voir Lo Celso, il fait un gros match contre Rennes, il fait un gros match contre Dijon, et notamment l'avant-match contre Lyon. Dans sa conférence de presse, si on lit entre les lignes, c'est ça. Et derrière, il a vu le match contre Lyon, il a appelé Antero Henrique, il a dit on fait Diarra demain, et il a passé sa visite médicale. Mais pour parler des négociations, Diarra a demandé énormément, parce qu'on faut parler aussi du contexte financier. Diarra avait 10 millions, il devait 10 millions à Poutine. Parce que Al Jazeera avait en partie... Et donc il a besoin aussi d'avoir un gros dernier contrat, il a 32 ans, donc je pense qu'aussi les négociations ont tardé à cause de ça. Par contre, Walid, moi, juste sur un point sur lequel je suis pas vraiment d'accord, c'est que Unai Emery, il a toujours réclamé un numéro 6. Il a toujours dit, moi, ce qui me manque, c'est un numéro 6. J'ai pas l'impression qu'il soit réveillé. Ça, je suis d'accord avec toi, Flavien, mais il voulait Fabinho ou le nom m'échappe, celui de Porto, Pereira, Danilo Pereira, ou Danilo Pereira. Sauf que le problème, c'est qu'en janvier, ça, il le voulait cet été, sauf qu'en janvier, ils vont jouer la Ligue des Champions. Oui. Donc, il se dit, au lieu de prendre un Diarra, si j'ai Lo Celso ou Mota qui va revenir, ou Rabiot que je peux faire reculer, pour moi, c'est ma lecture à moi, c'est peut-être pas la bonne, mais pour moi, Emery, il s'est dit, je peux m'en passer vu les pressions de Lo Celso. Il a vu que dans l'impact physique, Lo Celso a complètement explosé dimanche. Il s'est dit il faut un joueur en plus. Puis en plus, exploser face au milieu de terrain de l'OL, je trouve que c'est vraiment. Parce que finalement, il n'y avait que Tanguy Ndombele. Et encore Ndombele, c'est même pas un milieu. Il fait un gros match, Touzard. Touzard, je le trouve, les deux ont fait un gros match. Pour moi, il a complètement été mangé.
On va passer aux autres infos mercato. Alors juste, il y a eu une petite déclaration sur Lucas de la part de Unai Emery en conférence de presse aujourd'hui. Il a dit « J'ai dit à Lucas ce que je pensais de lui avec tout le respect que j'ai pour lui. Il n'a plus l'opportunité d'avoir du temps de jeu à Paris et il aura plus de temps de jeu ailleurs. » Donc Lucas, vraiment, il est… – Mais il est dans le groupe demain. – Et encore poussé vers la sortie. Il est dans le groupe demain. – Donc il va partir, alors, il va vraiment partir, mais où ?– Il faudrait qu'il y ait une équipe qui mette de l'argent pour Lucas. – Et Ben Arfa. Non, mais que Ben Arfa, à part aller à l'arc et serrer des 700 000 euros pour aller à l'arc. Non, mais sa situation contractuelle, c'est quoi sa fin de contrat? Il va aller jusqu'à la fin de son contrat, genre de 2-3 ans? C'est souvent ce qui se passe quand on a un contrat, c'est que tu dois aller jusqu'à la fin. Quoi, donc, non, mais ils veulent vrai, la situation n'a pas évolué. Quoi, c'est... Lui ne veut pas partir, donc forcément, si lui ne veut pas partir, ça embête. Il faut des offres aussi. D'accord. On va passer à la deuxième info, c'est Robinho. Robinho, vous vous rappelez de Robinho? Ouais. Il existe toujours. Il s'est engagé avec Sivasspor. Il s'est engagé avec Sivasspor. C'est son 7e club à Robinho. C'est sa 9e expérience en tout, parce qu'il a fait plusieurs retours à Santos. Il était dernièrement à l'Atlético Mineiro. Ça va nous rajeunir. Robinho, il a 33 ans aujourd'hui. Il s'est engagé pour un an et demi avec la formation turque. Pour rappel, Robinho, il était condamné aussi à 9 années de prison en Italie pour viol en Réunion. Donc ça va être sympathique son retour si Sivasspor un jour joue en Europe et doit aller en Italie. Robinho, on est content de le voir revenir en Europe ou tu t'en fous complètement? Bah, on est content. Il était où déjà? Il était à l'Atlético Mineiro là. Ah, il était au Brésil. Tu l'as vu jouer là-bas? Ouais, l'année dernière. Il était comment? Il était pas très bon. T'es pas très bon? Ah non, l'année dernière. C'est quoi, il a grossi? Il est comment? Non, c'est l'implication. L'implication. Là, c'est, il marche vraiment, sur le terrain. Voilà, est... Niveau professionnel, il l'avait pu. Aux entraînements, il y allait en marchant. On sentait que le joueur n'était plus impliqué dans le projet de l'Atlético Mineiro, qui a fait une très mauvaise saison l'année dernière. Il jouait avec Fred, l'ancien joueur de Lyon. C'était soi-disant les deux meilleurs attaquants, la meilleure doublette du Brésil, et ça a vraiment fait un flop. Et dans ses prestations, sur la fin, il était même remplaçant du côté de l'Atlético Mineiro. Donc aujourd'hui, je pense que c'était vraiment une porte de sortie pour lui, l'Europe, parce que même au Brésil, il demandait énormément. Il était libre. Voilà. Il était libre de tout contrat, mais personne n'a voulu le prendre parce qu'il demandait trop. Donc, vu son niveau de jeu, ça va être compliqué. Donc Bifuma, numéro 9 de Sivasspor, n'a pas de souci à se faire. Là, normalement, tout dépendra de son implication et de son professionnalisme, mais j'y crois pas vraiment. On va voir les clubs de Robinho, juste pour vous montrer le parcours de Robinho, l'éternel espoir. Hein, on nous parle d'un gâchis de plus, un gâchis brésilien de plus. C'est Paul Vinet qui nous met ça, notre consultant. Santos, la révélation, puis le Real Madrid, mini-confirmation. Manchester City, ça a été déjà un peu plus compliqué. On rappelle que c'était une des premières stars à aller à Manchester City. Ah, Milan, il fait une grosse saison. Milan, 32 buts, c'est beau, mais c'est sur 5 ans. Non, mais il fait une grosse saison à un moment donné. Oui, il y a une saison où il est après, il part en Chine à Guangzhou et puis finit. Mais il gagne pas le titre avec le Real. Entre 2005 et 2008. En 2006, il gagne le titre avec Capello. Oui, voilà, c'est ça. Capello, l'Atlético Mineiro ensuite et Sivasspor maintenant. Donc voilà, Robinho, le Globetrotter, on voulait prendre des nouvelles de lui. Est-ce que c'est le plus gros flop de ces 20 dernières années? Est-ce que c'est pas plus que Bébé? Non. Bébé. Bébé n'a jamais déconné, voilà. Bébé. Non, Bébé. Mais Robinho, voilà. Robinho nous l'a vendu. Et c'était le futur Pelé. Et j'en parle. Le roi Pelé lui-même qui a dit qu'il a aussi gagné un titre, c'est vrai, avec Zlatan. Oui, voilà, c'est ça. Avec Allegri. Allegri lui faisait confiance. Mais pour tout raconter aux sociaux. Il a gagné des titres sur 3 continents. Ouais, c'est beau. On parlait de ça tout à l'heure avec Dominique sur les footballeurs sud-am. Et on parlait sur Ocampos. La faculté de tous les observateurs sud-américains à survendre les joueurs. Et sincèrement, Robinho, comme Dominique le disait, Bébé, on n'attendait rien de lui. Mais Robinho, on nous a parlé de futur Pelé, on nous a fait des vidéos, des pubs. Tu penses qu'il était survendu, Robinho, ou vraiment il était impressionnant quand il était jeune? À Santos, c'était impressionnant. Maintenant, ça demandait confirmation. Et malheureusement pour lui, il est parti dans un club qui était le Real Madrid, où je pense que ce n'était pas le meilleur choix pour lui pour le début de sa carrière en Europe, parce qu'on attendait vraiment beaucoup trop de lui. On a mis beaucoup de pression. Et je pense que ça, il ne l'a pas supporté. On l'a vu derrière. Après, il est parti à City, où ça a été un gros flop. Et il n'a jamais confirmé, même sur la scène internationale. Il a un peu la même trajectoire que Neymar, sauf que Neymar a choisi le Barça. En fait, c'est un choix. C'est peut-être un choix de carrière. Ouais. Par contre, là, on ne peut pas dire que c'est une escroquerie. C'est que Robinho, il avait quand même ce côté Jinga. Enfin, moi, je sais que. Enfin, je sais pas. Genre, il suffit de voir les passements de jambes de Robinho. Enfin, qu'il ait 33 ans ou 20 ans, moi, il me fait toujours vibrer. Ah, mais c'est un genre de futsal, quoi. C'est c'est difficile pour lui. Maintenant, c'est difficile. Mais c'est vrai qu'à l'époque, même quand il était à Santos ou quand il arrivait à la Madrid, c'était l'une des futures stars du Brésil. On l'attendait à ce niveau. C'est Paul Vinet, notre spécialiste football italien, qui nous dit que sa deuxième année à Milan est top. Oh, ouais, non. Avec Allegri, quand je crois qu'il jouait avec Ibra, même ils avaient mis 4-0.
1-0 à Arsenal en 8e de finale de Ligue des Champions. C'est à l'époque Thiago Silva. Oui, ouais, il avait été. Le grand Milan. Non, pas un grand Milan. Avec Robinho, Zlatan, Ronaldinho, Pato, Van Bommel, Fischer, Fekulani, Boateng, Nesta, Thiago Silva. C'est un bâtiment qui nous fait. Ouais, on a parlé de Robinho, ça faisait longtemps, hein, ça faisait longtemps, ça vous a fait un peu plaisir. On va passer à la dernière info mercato de ce mardi. On est que mardi. Après huit saisons. Maintenant on est mercredi. On a basculé là. La dernière saison après 8 saisons, Javier Mascherano, vous le voyez en photo, qui quitte le FC Barcelone cet hiver. Il y aura un hommage demain au Camp Nou. Alors ça, c'est peut-être la photo qui représente le mieux le jeu de Javier Mascherano. Javier Mascherano, c'est mine de rien le quatrième joueur le plus capé de l'histoire du Barça, derrière Messi, derrière Philippe Cocu et derrière Dani Alves. Il part pour peut-être avoir un dernier gros contrat. On parle de la Chine. Javier Mascherano, c'est la fin d'une ère au Barça. C'est la fin, du grand Barça qu'on a aimé. Oui, ça fait partie aussi de ces cadres qui partent. On a vu Puyol, on a vu Xavi, là il y a maintenant Mascherano, et c'est vrai que lui c'est un petit peu forcé, j'ai l'impression, son départ, parce qu'on sait qu'il a des gros problèmes avec le fisc en Espagne, et depuis cet été il souhaitait partir, pourquoi pas vers la Chine pour récupérer un bon contrat, pour essayer de régler ses problèmes financiers, et je pense que c'est l'une des raisons qui le pousse un peu vers la sortie, même si on l'a vu avec cette saison et l'arrivée de Valverde, il jouait beaucoup moins, il a pratiquement pas joué de la saison. Donc ça peut s'expliquer aussi. C'est pour ça qu'ils ont pris Yerry Mina. Ouais, exactement. Bah, ils pensaient déjà à son départ quand ils ont pris Yerry Mina. Donc c'était déjà un peu dans les tuyaux depuis quelques temps. Mascherano, toi, le romantique, Moi, je trouve que Mascherano, il symbolise quand même la fin des milieux récupérateurs à l'ancienne. C'est-à-dire que quand il arrive à Barcelone, on le met en défense centrale comme pour montrer qu'aujourd'hui, un milieu de terrain, ça doit avoir des qualités techniques d'un niveau supérieur. Or, moi, quand je l'ai connu, quand j'étais un peu plus petit, Mascherano, il jouait numéro 6. À une époque où on acceptait encore que les numéro 6 soient des mecs qui rentrent dedans, qui ne fassent que récupérer les ballons. Et voilà, on va dire que ça me donne un petit coup. Non, mais c'est un gros coup de vieux. C'est un excellent joueur, moi, l'image. On va voir son palmarès en même temps avec le Barça. Ça a été un excellent joueur. Quand on parlait de Grinta tout à l'heure dans l'équipe de Simeone, c'est un joueur, lui, qui. Puis il est intelligent aussi. Ouais, Grinta, intelligent. S'il peut jouer derrière. Le Jefe, les 16 étoiles, on voit 4 Ligas, 2 Ligues des Champions, 4 Coupes du Roi, 4 Super Coupes d'Espagne, 2 Coupes du Monde des clubs. C'est quand même plutôt pas mal, on aimerait bien avoir ce palmarès-là. Bien sûr, même si moi, encore une fois, dans ma tête, en tout cas dans mes souvenirs, le Mascherano de Liverpool restera beaucoup plus ancré que celui du Barça. Cette doublette Xabi Alonso-Mascherano sous Benitez, c'était extraordinaire. J'ai l'impression qu'on fait comme si c'était la fin de sa carrière. C'est pas la fin. À part si t'as laissé Force Sport 2 et tu regarderas la Chine, Shanghai chinois et l'ancien club de Gustavo Poyet, mais voilà, pour moi, le Liverpool sous Benitez, Mascherano, Xabi Alonso, derrière Gerrard, c'était extraordinaire. Il y avait tout dans ce milieu de terrain-là. Quand il arrive au Barça, il a cette faculté à s'adapter à son nouveau poste. C'est dommage. Il a toujours été bon, il a toujours fait le travail avec Piqué. Il n'a jamais rechigné. Il s'est adapté à son nouveau style de jeu. Il a adopté l'ADN Barça. Et surtout, avec la sélection d'Argentine, moi, cette Coupe du Monde 2014 qui emmène l'Argentine contre l'Allemagne en finale, il a fait une Coupe du Monde au poste de numéro 6. C'est ça, sa faculté à constamment se réadapter. Il a joué pendant 2 saisons avec le Barça, mais avec l'Argentine, c'était le vrai taulier. On parlait beaucoup de Messi, mais c'est lui au milieu de terrain dans ce 4-3-3 losange. 4-3-3 losange 4-3 losange, 4-4-2 losange, pardon, il est tard et je suis fatigué. mais Mascherano, ouais, c'est le chef, c'est El Jefe. Apigato, il nous dit 7 buts avec le Barça, dont 6 CST, chapeau l'artiste. C'est un peu sévère. C'est dommage parce qu'on pouvait penser qu'il aurait fait peut-être une autre carrière encore peut-être plus haute s'il était resté en poste de numéro 6 au FC Barcelone. Et le fait de reculer d'un cran, alors on a vu sa carrière à Barcelone. C'est compliqué. Mais je pense vraiment aussi qu'il avait peut-être sa place dans ce poste de numéro 6. On l'a vu avec la sélection argentine, il était toujours présent. Et c'était vraiment un joueur phénoménal à ce poste-là. C'est un autre football.
Pour moi, Mascherano, il a. Oui, mais il c'était un joueur de ballon aussi. Même s'il avait la grinta, c'était quand même un joueur qui, avec le ballon, il était pas embêté. Ouais, mais c'est pas un Busquets qui peut. Non, c'est pas un Busquets, mais ils sont. Moi, sincèrement, avec le ballon, j'ai jamais vu Mascherano dégager. Il est tranquillement. Il est serein. Il fait beaucoup de passes vers l'avant. Après, c'est un autre style que Busquets. On va terminer avec Afi Diatto qui nous dit de toute façon, au Barça, quand t'es défenseur central, t'es milieu de terrain. C'est vrai que peut-être plus de facilité pour s'adapter. Merci les gars ce soir pour cette émission très très tardive. J'aimerais remercier Tom Saint-Jean à la rédaction chef pour sa première réaction comme chef. Alors il y a ton petit Tom, merci à Denis Dabacan, à Tom Béthier, Colin Dicano à l'émission. Merci à Vincent Fournier qui a fait un travail monstre parce qu'on a eu les petits techniques. Merci à Vincent Fournier, parce que ça, techniquement, on peut rien. Merci aux socios. Et merci aux socios qui réagissent même très tard, on continue à réagir. Il y avait un petit débat entre Messi et Ronaldo, entre Bécafé et Alvaro Cabez Ibáñez. Merci les gars, rendez-vous demain. Grosse émission avec beaucoup de matchs demain, vous inquiétez pas, on sera là normalement à 23h30. On se met pour le jeu des 5, vous mettez la petite cloche, la petite notification, comme ça à chaque fois vous arrivez à savoir quand est-ce qu'on est en ligne. On vous souhaite une bonne soirée et on vous dit à demain à la club des 5. Ciao.